Bonjour à tous, c'est Robert 87000. J'ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé. Je pense que dès qu'on a été footballeur, qu'on a joué un minimum à un certain niveau, même si on n'a pas joué à un niveau, de pouvoir rentrer sur cette musique-là tout de suite, ça fait des frissons. J'espérais l'entendre l'année prochaine pour Marseille. Je crois que c'est mal parti. Je crois que c'est mal parti. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo TOTS. Hein, je ne sais pas trop le prononcer. Hein, ou TOTS. Ça, c'est pour les initiés. Hein, TOTS, quoi. Donc, les TOTS. La première qui va sortir, ça va être la MC Gold, la Silver et la Bronze. Je vous explique le principe. Pour la MC Gold, Silver et Bronze, ce ne sont seulement les joueurs qui n'ont pas eu de joueur Boost ou Man of the Match ou Totti qui vont pouvoir faire partie de cette équipe-là. Donc, moi, je vous ai sélectionné certains joueurs qui, pour moi, voilà, l'équipe que ça devrait composer. Évidemment, ces joueurs-là vont prendre énormément de valeur pendant la TOTS, quand les joueurs vont être disponibles dans les packs, tout simplement, parce que, ça, comme d'habitude, comme pour une TO, ça va créer une attractivité. Donc, si vous pouvez les acheter, sans oublier qu'il faut aussi également investir sur les joueurs Boost, parce que forcément, ben, ça va créer de nouvelles cartes et ça donne une attractivité supplémentaire pour ces types de joueurs. Donc, aujourd'hui, ce soir, on commence par la MC Gold. On va en avoir tout au long de la semaine. Je vais essayer de vous en sortir une par soir. Demain, ce sera la Silver et je pense que je ferai la Bronze en même temps. Donc, on commence par la Gold. Donc, dans les buts Buffon, tout simplement, j'ai mis Buffon dans beaucoup. J'ai vu hein, ce que j'ai regardé évidemment, ce qu'avaient mis les autres. Personne n'a mis Buffon. Je trouve ça un peu illogique de pas mettre Buffon non plus, tout simplement parce que quand même, il a réalisé une très bonne saison. Seulement 16 buts, 16 buts hein, seulement pour la Juventus d'encaisser. Vraiment. Plutôt une très bonne performance et il contribue à cette bonne performance. Il a fait des matchs corrects contre Monaco. Il est en demi-finale de Ligue des Champions, donc je trouve ça normal. Ensuite, en défense centrale, ben Mascherano, pareil, hein, son club est en demi-finale. Il n'a pas de carte boost. Il réalise plutôt une bonne saison, même s'il n'est pas toujours en défenseur central et ça lui arrive de jouer en milieu de terrain. Ses bonnes performances, moi je trouve qu'il est fait en défense centrale. Piqué est un peu plus rapide, donc il va plutôt prendre la profondeur, mais sur l'homme, Mascherano est un des meilleurs défenseurs du monde. Garay à côté, donc pareil, très bon défenseur hein, au Zénith de Saint-Pétersbourg, qui a plutôt une très bonne saison aussi, je trouve. C'est même bizarre qu'il n'ait pas eu de joueur boost cette année. À gauche, Marcelo. Marcelo qui a marqué 2 buts. Il a été très productif en termes de matchs. Hein. Déjà 42 matchs cette saison, c'est quand même énorme. Il participe à la bonne saison du Real, même si je trouve que le Real est quand même un tout petit peu en dedans. Il fait partie des joueurs qui surnagent un peu cette saison avec d'autres joueurs du Real. C'est pas illogique. C'est même illogique qu'il n'ait pas comme un peu Alves à droite. Hein. Je l'ai pas mis, mais j'aurais pu mettre Alves à la place de Klein. Sauf que ben voilà, je suis un peu dans le renouvellement et Klein ne me plaît bien, surtout que Southampton est la deuxième meilleure défense de première ligue avec seulement 26 buts encaissés. Donc je trouvais ça logique de mettre un défenseur de Southampton dans cette défense centrale. En milieu de terrain, là, je pense que personne n'aura rien à redire sur les 4 joueurs que j'ai sélectionnés, parce que pas forcément les ailiers, hein, que ce soit Bovu ou Touran, là, je pense qu'il peut y avoir débat, mais sur les 4 que sont Verratti, Matic, Schneiderlin et Anderson, pour moi, il n'y a rien à dire. Évidemment, il y en a 3 du championnat anglais, donc bon, on peut dire, mais franchement, je trouve qu'ils ont réalisé tous les 4 des énormes saisons. Matic, depuis 2 saisons, on ne le connaissait pas trop hein, l'année dernière, il a explosé au plus haut niveau, il réalise encore une très bonne saison. Verratti, moi je suis un peu comme Cantona, j'aime bien m'emballer. Cantona, c'est Pastore, moi c'est Verratti. Verratti, pour moi, c'est le meilleur milieu du monde. Il y a pas à chier, évidemment, il y a Xavi, il y a Iniesta, ces joueurs, ce type de joueurs qui sont vraiment très performants. Mais Verratti, je trouve maintenant, vu l'âge, vu la capacité qu'il a, on a l'impression déjà qu'il a 30 ans. C'est un peu comme quand on a vu les premières fois Xavi, Iniesta, qui était capable comme ça de prendre le ballon, de pas ressentir la pression. On a l'impression que la pression ne prend pas, elle glisse sur lui.
Vraiment un phénomène. Anderson, impeccable avec Liverpool. Il a fait une deuxième partie de saison incroyable. Schneiderlin, plutôt une très bonne première partie de saison. Là, c'est un peu plus compliqué, tout simplement parce que son club aussi est en difficulté. Donc voilà, il a quand même marqué 5 ou 6 buts cette saison. C'est plutôt solide, hein. Verratti, c'est là où il pêche, hein. Contrairement quand même à Schneiderlin, à Anderson, à Matic, là où il a un ton au-dessous. Alors évidemment, il n'est pas toujours dans le même registre. Souvent, il est un peu plus bas sur le terrain. Il sert, soit il est vraiment quand il n'y a pas Thiago Silva, il est plutôt en relayeur, mais souvent il est quand même beaucoup plus balle sur le ballon, c'est lui qui va être en gros. Il a, à mes yeux, Verratti, c'est un peu comme Xavi, ils ont inventé un nouveau poste avec Pirlo, c'est-à-dire que c'est le meneur en numéro 6, c'est assez particulier. Le meneur, normalement, voilà, c'est un numéro 10, il doit être plus haut sur le terrain, mais non, là c'est des meneurs en numéro 6. Pirlo, Xavi, Verratti, c'est un peu ça, ils sont beaucoup plus bas. En gros, dans des équipes, quand vous voulez garder la possession, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de joueur-là pour pouvoir faire des relances propres et éviter de perdre trop rapidement le ballon. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée et on voit que ça réussit plutôt bien parce que bon, Paris qui a mis ça en place est en quart de finale de Ligue des Champions. Xavi, demi-finale de Ligue des Champions, est donc toujours en cours et la Juventus avec Pirlo, demi-finale de Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui devraient s'en inspirer au lieu de mettre des tocards qui sont juste là pour faire une sorte de sentinelle et qui sont pas capables derrière de ressortir la balle correctement. En championnat de France, on a des joueurs qui sont plutôt bons dans ce registre. Hein. Mboula à Marseille, plutôt intéressant. Kondogbia à Monaco aussi est très intéressant. Hein. C'est un peu le rôle de Yaya Touré, sauf que je pense qu'à Manchester City, il se trompe en le mettant beaucoup plus haut sur le terrain. Je pense que Yaya Touré aurait son plein potentiel en étant capable de récupérer le ballon et aussi de reconstruire, donc je le mettrai un peu plus bas, surtout que il n'a plus les jambes de ses 20 ans. À gauche, Tourade qui réalise une très bonne saison avec l'Atlético Madrid. Bizarre qu'il ait aucune carte boost. J'étais même surpris, hein, au début je l'avais oublié, et quand j'ai regardé, et il n'avait pas de carte boost, donc vraiment un peu surpris. Beauvue à droite, tout simplement parce que quand même notre ami Guingampé a quand même marqué déjà 24 buts cette saison. Je le vois dans aucune sélection. Oui, je veux bien, mais bon, 24 buts, ça le place entre Griezmann et Cavani quand même. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas un tocard quand même. Hein. Et derrière lui, il y a Sanchez, Lewandowski, Benzema, Aubameyang. Donc je pense qu'il peut quand même faire partie de cette équipe-là, surtout qu'il n'a pas de carte boost. Donc voilà. Devant Martinez, bon, ben Martinez. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment top niveau. Je crois qu'il a marqué 25 buts, 24 ou 25 buts. Bakka, pareil, hein, qui a marqué une vingtaine de buts, je crois que c'est 20 ou une vingtaine aussi à peu près. Ça doit être 21 ou 22. Derrière, j'ai mis également dans les buts, mais Mignolet. Mignolet avec Liverpool. Évidemment, il n'a pas réussi une très bonne première partie de saison, mais je trouve qu'il est en train de vraiment bien se reprendre. Je l'ai mis, il y en a beaucoup qui ont mis. J'ai perdu les nombres, c'est pas très grave. J'étais pas forcément d'accord. En défense centrale, j'ai mis Fonte de Southampton, encore une fois. Ça fait quand même 3 joueurs de Southampton, quand même. Hein. Je pense que je dois avoir un petit amour pour Southampton. Devant, après, je mets Pelé, voilà, qui a marqué pareil plus de 20 buts. Dembaba, qui a marqué plus de 20, de 20 buts. Donc, vraiment des joueurs qui sont plutôt bons. Nolito qui réalise une très bonne saison aussi, qui a marqué pas mal de buts, hein, je crois qu'il en a marqué une dizaine, qui est très rapide, très bon ailier, et qui n'a pas eu de carte boost hein, pas de carte boost cette saison. Donc voilà l'équipe en tout cas, je pense qu'il peut ressembler à peu près à ça. Évidemment, il peut y avoir des améliorations. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo, ben, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui c'est que vous auriez mis dans cette équipe-là? N'hésitez pas à la partager, comme ça, moi aussi, ça peut me donner des idées et peut-être essayer de faire un peu d'achat-revente sur ce type de joueur-là. Soit la TOTS sortira demain soir, et là je suis un peu en retard. Soit la TOTS sortira la semaine prochaine. Je pense que ça sera la semaine prochaine, mercredi prochain. Et là au final j'ai presque de l'avance. Donc j'espère que ça sera comme ça. J'espère que cette vidéo sur les TOTS et la première vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à faire ce que vous voulez. Comme d'habitude, je vous fais des bisous et on se quitte. Là je suis quand même obligé de nous la remettre. Hein. Alors où t'es, petite musique? Petite musique, parle de toi. Allez, t'es où là? On va se la remettre quand même. On est obligé de finir sur ça. On est obligé. On peut pas. On peut pas faire autrement quand même que se la remettre. Oh, c'est beau. Je saurais faire du violon. Voilà. Je n'apprendrai que le violon pour faire ça.
imaginez le kiff de pouvoir rentrer sur cette musique là quand même. Non? Je sais pas. Si je suis seul quand même joueur, ancien joueur à être ça, mais me dire quand même quand vous rentrez, vous entendez cette musique là, mais vous devez être comme un fou sur le terrain. Comme un fou. Je sais pas si c'est Diego Costa ce qu'il avait entendu avant PSG Chelsea, il avait trop entendu la musique, le gars il était vraiment comme un fou. Voilà, ça, à partir de là. Allez, je vous fais des bisous à tous, c'est Robert 87000, ciao les gars.